Jazz, trompé par Laurent et le couple de nouveau séparé, Hilary arrêtée par la police, hors d'elle, elle tacle la France. Hier, un blogueur a révélé que Jazz a été de nouveau trompé par Laurent, ce qui explique son post plein de menaces quelques jours passés. À vrai dire, Laurent a été dans une soirée avec des femmes et hommes, mais a menti à sa femme en précisant que la soirée est 100% masculine. Jazz a reçu plein de photos de cette soirée via des filles présentes sur le bateau et surtout une femme mariée, un footballeur, qui était très proche de Laurent lors de la soirée. La maman de Chelsea et Kayden a pété donc un plomb et a pleuré toute la soirée, mais voilà, le couple est de nouveau ensemble pour une virée en amoureux à Monaco. Par ailleurs, Hilary et sa famille sont en France, la jeune femme a été arrêtée par la police et a eu une contravention avec retrait de 3 points. Dégoûtée, elle tacle la France. Je vous laisse avec sa story et celle de Jazz et Laurent. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Faire arrêter par la police. Je vous explique, je viens de me faire contrôler. Donc moi, de toute façon, à chaque fois que je suis en France, il faut que je peux expliquer un truc ou pas? Ouais. Le contrôleur, est-ce qu'il la reconnaît? Il y a le mec qui dit ouais, vous connaissez un tel, vous connaissez un tel. Donc du coup, ça veut dire qu'il connaît Hilary, qu'il connaît. Elle me dit, vous direz bonjour à telle personne, etc. C'est le mec qui contrôle Hilary, qu'il la reconnaisse. Donc c'est pour ça que tu te fais contrôler. Donc en fait, maintenant, moi, je vais conduire, vu qu'on peut pas m'enlever mes points. Je vais conduire, parce que s'ils te reconnaissent, au pire, bah, ils seront contents, ils parleront, mais ils pourront pas t'enlever de points. Mais ils m'ont enlevé, alors ils ont regardé, oui, donc vous avez toujours votre permis français, machin et tout, même si vous habitez à Dubaï. Moins 3 points. Et je sais pas combien d'amendes. Franchement. C'est pas pour dire, hein, mais je suis contente d'être à Dubaï.